Seul le monde, gloire à Dieu. Dis cela. Everyone, praise the Lord. Today. Aujourd'hui. No matter where you are, it's time to go up higher. You are the lowest point, or you are the middle point. Anywhere. N'importe où vous êtes, c'est mon privilège, c'est mon appel, c'est ma joie de vous prendre là où vous êtes et de vous dire monte, monte, viens, monte, monte plus haut. Le Seigneur aujourd'hui va se saisir de ta vie, toi en tant qu'individu, et il te montrera le chemin qui mène vers le haut, et tu lèveras les yeux. Et tu prieras. Et la puissance d'en haut viendra dans ta vie. Tout ce qui te maintenait en bas, tout ce qui te faisait tomber, tout ce qui t'enfermait, aujourd'hui, c'est le jour pour monter plus haut. Prête attention. En un moment, un bref moment ensemble, et ta vie montera. Prions ensemble. Père, nous te remercions. Un jour glorieux, un jour gracieux, un jour merveilleux. Tu appelles chacun ici présent et tu nous dis, monte plus haut. Seigneur, je prie, il n'y aura pas d'exception. Chaque garçon, chaque fille, chaque jeune homme, chaque jeune fille, tout le monde présent ici, nous monterons plus haut. Aucune vie inutile ne sera ici. Et aucune vie foulée aux pieds ici. Aucune vie ne sera enfermée permanemment ici. En ligne partout. Dans n'importe quel pays, n'importe quelle assemblée. Comme nous écoutons aujourd'hui. Brise toutes les chaînes. Détruis tous les jougs. Et élève chacun plus haut. Confirme-le dans chaque vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Tu peux t'asseoir, que Dieu vous bénisse. En quelques minutes que nous avons passées ensemble, je veux que vous prêtiez une attention attentive. Le thème que je considère avec vous, marcher constamment sur la voie royale pour monter plus haut. Marcher sur la voie royale. Il y a plusieurs chemins dans la vie. Il y a plusieurs sentiers dans la vie. Il y a plusieurs voies qui conduisent à la fosse. Mais il y a une voie royale. La voie royale. Tous ceux qui mettent pied sur cette voie royale doivent monter plus haut. Ce qu'il te faut faire simplement aujourd'hui, découvrir ce chemin royal. Décide de marcher sur ce chemin.
sois déterminé à rester sur ce chemin. Et un pas par moment. On appelle ça des pas de bébé. Un pas après l'autre. Et tu te concentres sur la destination que tu veux atteindre. Après quelques mois, après quelques années, tu seras très haut par la grâce de Dieu. Nous lisons Ésaïe 35, verset 8. Une voix sera là qu'on ne peut rater. Une route sera là, tracée par le Dieu du ciel. Une voie royale sera là, et elle est tracée pour tous ceux qui veulent monter. Ce sera appelé la voie de la sainteté. Les impurs ne passent, nul impur n'y passera. Ésaïe 35, 8. C'est pour ceux qui craignent l'Éternel. Même les insensés ne pourront s'égarer. Il dit, même si nous sommes insensés, même si nous sommes ignorants, il dit, même si nous ne sommes pas sages, nous pouvons marcher sur l'autoroute de Dieu, la voie royale de Dieu. Il dit, les insensés, les ignorants, les bébés, celui qui ne connaît rien, une fois qu'il met le pied sur ce chemin, il pourra marcher et faire du progrès. Il dit, même les insensés ne pourront s'égarer. Parce qu'il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas un autre chemin que nous pourrons prendre par erreur pour s'y retrouver. La voie royale du Seigneur est une autoroute. Et elle est droite. Et quiconque met pied dessus ne pourra pas s'égarer, mais ira, montera plus haut dans sa vie. Marcher sur la voie royale, c'est une chose continuelle. C'est pas que j'avance un peu et je reviens un peu en arrière. Voilà pourquoi plusieurs ne montent pas haut. Ils font trois pas devant. Le lendemain, ils font quatre pas en arrière. Quand tu fais trois pas en avant et quatre pas en arrière, tu regresses d'un pas de plus. Mais si tu es consistant, si tu es constant et tu fais un pas en avant aujourd'hui, un pas en avant demain, un pas en avant chaque moment, et tu marches de façon consistante. Et tu marches courageusement. Et tu marches de façon objective. Et tu fais toujours un pas de l'avant, un pas de l'avant, un pas de l'avant. Tu y arriveras. Ainsi donc, il faut une décision. Il faut une détermination. Il faut une dédicace. Et tu pourras dire, je fais le pas en avant à tout moment. Si nous voulons aller plus haut, ce mot, monter, cette expression, monter plus haut, venir, c'est un verbe. Un verbe d'action. Quand il dit debout, si tu continues à t'asseoir, tu ne comprends pas le mot, le verbe se lever qui est comme un verbe d'action.
Quand il dit viens, si tu restes là où tu es et tu n'as pas un désir, une décision, une réponse, tu ne comprends pas le mot venir, le verbe venir, comme verbe mot d'action. Si tu demeures là où tu as toujours été, tu ne comprends pas, monte. Peu importe la hauteur d'une chambre. Et tu es là au rez-de-chaussée. Et tu lèves la tête. C'est toi là. Ce lieu, elle est élevée, très haut. Et tu dis, comment est-ce que je peux aller là-bas? Il n'a pas dit sauter pour monter plus haut. Je ne peux pas sauter et aller au sommet de ce bâtiment. Mais l'architecte qui a construit l'immeuble et qui savait que les gens quitteront le rez-de-chaussée pour aller au dernier niveau, au dernier étage, il sait qu'on ne peut pas sauter plus haut. Alors, ils ont prévu les escaliers. Et pas un pas après l'autre, une marche après l'autre, une marche après l'autre. Nous faisons le mouvement. Et nous montons plus haut. Le grand architecte de la terre et du ciel. Le créateur, le bâtisseur de la terre et du ciel. Celui qui a pourvu toutes choses sur la terre et dans le ciel. Il sait qu'il va nous appeler à monter plus haut. Et pour cela, il a prévu les escaliers, une marche après l'autre. Et si tu suis ces marches-là, finalement, tu arriveras plus haut. Moi, je vais monter plus haut. Dis-le pour toi-même. Moi, je monterai, j'arriverai là-bas. J'arriverai au sommet. J'irai là-bas. On ne saute pas pour arriver là-bas. Vous devez monter étape par étape, marche par marche pour arriver là-bas. Tout le monde commence toujours au niveau du bébé. Personne ne naît docteur. Personne ne naît ingénieur. Personne ne naît réalisateur. Personne ne le fera. Personne ne naît soldat. Nous commençons toujours au niveau du rez-de-chaussée. Et Dieu a déjà construit toutes les marches. Vous ne devez pas rester au niveau du rez-de-chaussée toute votre vie. Il y a un niveau appelé désespoir. Nous ne restons pas là-bas toute notre vie. Il y a un niveau appelé découragement. Nous ne restons pas là toute notre vie. Il y a un niveau appelé moyen. Nous ne restons pas là aussi toute notre vie. Il y a un niveau appelé esclavage. Ou esclavage pour le désespoir. Nous ne restons pas là toute notre vie. Je lève les yeux. Je dis, voici là où je suis destiné. Et j'ai donc le désir. Je dis, je ne vais pas rester à ce niveau-là du désespoir, du découragement toute ma vie. J'ai eu un désir. Je veux aller plus haut. Mon désir
doit être suivi par une décision. Et je décide que ma vie ne va pas rester au rez-de-chaussée. Je décide et ensuite j'ai la détermination. Beaucoup de choses viendront dans la vie qui vont essayer de me renvoyer d'où je viens pour me ramener au lieu du désespoir, au lieu du découragement. Les vents vont souffler contre moi, mais j'ai décidé sur la base du désir qui ne va être jamais foulé aux pieds par une créature sur la terre. Et après cette décision, j'ai la détermination que cette hauteur que j'ai vue, que cette terre plus haute que j'ai envisagée, cette grande vision de ce lieu élevé que j'ai la détermination d'aller là-bas. J'ai la diligence quand la détermination a été donc fixée. Je suis diligent dans tout ce que je fais. Que chaque jour ajoutera à mon progrès de monter plus haut. Pour que chaque acte ajoute à ma décision d'avoir une destinée plus haute. Et ensuite, j'ai la dévotion. Je suis dévoué à ceci, à cela, à cette seule chose que je fais, afin d'atteindre la terre plus haute. Et je m'attache à Dieu, je fais une pétition, j'adresse une prière à Dieu. Et l'aide de Dieu, le secours de Dieu, la bonté de Dieu et la promesse de Dieu qui ne peut faillir, cela m'aide. Et il donne il prend un décret pour confirmer ma demande. Monter plus haut est un voyage. Et je n'oublie jamais où je vais. Je n'oublie jamais la détermination et la destination. Plus haut, plus haut, plus haut. Quelqu'un crie plus haut. Tu y arriveras au nom de Jésus. Marcher sur l'autoroute du roi constamment pour monter plus haut. Il y a trois éléments à considérer. Premièrement, la dissatisfaction avec la voie étroite de la limitation. Il y a des vies qui sont barricadées. Et à cause de ces barricades, ils sont limités. C'est comme si vous attachez un cabri. Vous l'attachez à un poteau. La corde est au cou de ce mouton. L'autre partie de la corde est à un poteau. Le cabri peut faire des moves, des tours, mais il ne pourra jamais dépasser la hauteur de cette corde. Vous devez
Vous faites un cercle et vous mettez le poteau au milieu. Et vous mettez le poteau et vous attachez au milieu. Et vous attachez la corde au cou du cabri, du mouton. Et le mouton ne peut faire le tour dans la circonférence et le rayon est déjà déterminé. Ça ne pourra pas aller au-delà de cette circonférence. Un moment vient dans ta vie quand tu es insatisfait de cette vie où tu tournes en rond. Tu es insatisfait de la voie barricadée qui est là. Tu veux briser et aller au-delà. Ça, c'est monter plus haut, ça. Se lever plus haut, monter plus haut. L'insatisfaction, les gars, de la voie barricadée de la limitation. Deuxième point, la dédicace sur la dédicace sur l'autoroute de la libération de la vie. Quand le Seigneur vient te délivrer pour t'affranchir et toutes les limites de ta vie, tout ce qui te liait, tout ce qui te maintenait lié, tu es libéré, tu es libre, tu es prêt à monter, tu es prêt à courir, tu es prêt à monter plus haut. La dédicace, dédicace sur l'autoroute de la libération de la vie. Troisième élément, la diligence sur l'autoroute du Seigneur. La diligence sur l'autoroute céleste pour le Seigneur. Comme nous faisons les pas l'un après l'autre, nous atteindrons la terre plus haute, la possession élevée, le lieu élevé, ce que Dieu nous appelle. Voyons maintenant le premier point. Premier point, l'insatisfaction à l'égard de la voie barricadée de la limitation. Il y a certaines références, je dirais, sont en parenthèse. J'ouvre la parenthèse avec Deutéronome chapitre 1 et je ferme la parenthèse avec Deutéronome chapitre 2. Pensez à cela. Dans plusieurs vies, quand la parenthèse est ouverte, il y a une barricade, il y a une limitation. Il y a une vie où on tourne en rond, tels qu'ils étaient l'année dernière, ils le sont encore cette année. Comme ils sont cette année, ils peuvent être pareils l'année prochaine. Ils font la même chose. Ils pensent de la même manière. Ils planifient de la même manière. Ils marchent sur le même chemin. Toutes les années de leur vie s'ouvre par cette référence et leur vie se ferme avec telle autre référence. Tout ce que tu as entre ces limitations, limitations, limitations. Mais tu dois être insatisfait de cette vie-là. Ça ne peut pas continuer comme ça pour toujours. Deutéronome chapitre 1, verset 6. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous êtes resté dans cette classe pendant longtemps. Vous êtes resté au même niveau pendant longtemps.
Vous êtes en train de tourner en rond en ce lieu depuis longtemps. Vous avez été limité à ce lieu pendant longtemps. Pense à ta vie. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Depuis longtemps. Et tu es resté dans la même position. Tu es resté au même niveau. Tu es resté dans la même situation. Tu es resté dans le même problème. Tu es resté dans le même échec. Tu es resté dans les mêmes déceptions. Tu es resté dans le même lieu longtemps. Le Seigneur l'a dit. Et le Seigneur te dit, pense à ta vie. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Regardez la première partie du verset 7. La première partie du verset 7, il dit, tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens. L'échec du passé, c'est assez. Les déceptions du passé sont assez. La vie où on tourne en rond du passé, c'est assez. Le mouvement sans le progrès, c'est assez. Le travail sans réalisation, c'est assez. Être ici et là, sans aucun lieu d'objectif, c'est assez. Est-ce que tu as pensé à ta vie un peu? Ton caractère, tes comportements, tes habitudes, ta spiritualité, tes réalisations, tout ce que tu fais depuis. Est-ce que tu ne fais toujours pas la même chose sans progrès? Est-ce que tu ne préfères pas la même prière sans progrès? Et que tu ne sais pas d'ajouter action sans progrès? Le Seigneur veut que nous réfléchissions sérieusement sur l'état de notre vie. Nous ne devons pas vivre là seulement au même niveau, faisant la même chose, tournant en rond, mais il n'y a pas de progrès. C'est quand, comme la voie est barricadée, ce que tu as fait il y a 10 ans, c'est ce que tu fais toujours. Là où tu étais, il y a 40 ans, c'est toujours là où tu es, au même endroit. Une limitation sérieuse et terrible à cause de la voie barricadée, les défis et les difficultés. Et on n'enlève pas les barricades, nous sommes là, limités dans notre vie. Je vais maintenant fermer la parenthèse. Deutéronome 2, verset 3. Il dit, verset 3, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Pourquoi? Les enfants disent, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils avançaient, mais ils bougeaient, mais ils n'avançaient pas? Pourquoi? Les enfants d'Israël, pourquoi ils faisaient tous les tours, les contours, 40 ans, et ils n'ont pas atteint la terre promise? Marcher, dépenser de l'énergie, manger, marcher, se lever, faire des exercices, mais il n'y a pas de preuve qu'une meilleure chose vient dans leur vie. Il va vous raconter quelque chose les concernant pour que vous puissiez apprendre de vous-même. Premièrement, ils ont la délivrance sans la dévotion. Dieu les a délivrés
de la terre d'Égypte. Mais il n'y avait pas de dévotion à l'Éternel qui les a donné la délivrance. Dans nos vies, nous allons à la prière, nous avons la délivrance, mais il n'y a pas d'objectif auquel nous sommes dévoués. Dans nos vies, nous sommes guéris quand on a prié pour nous, mais il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de destination auquel nous sommes dévoués. Voilà pourquoi les gens font les détours, ils ont la guérison, ils ont la délivrance, parce qu'il n'y a pas de dévotion, il n'y a pas de progrès dans leur vie. Rappelez-vous l'histoire des enfants d'Israël. Ils ont eu la manne du ciel. Ils ont mangé la manne chaque jour. Ils avaient la manne, ils mettaient ça dans leur bouche, mais ils n'avaient pas les manières, les caractères, les comportements. Aux yeux de l'Éternel, la manne a mangé, mais pas de bonne manière dans leur caractère. Voilà pourquoi ils faisaient les détours, les contours, et ils ne faisaient pas de progrès dans leur vie. La manne, c'est la provision venant du ciel. C'est donné par Dieu. Et nous consommons cela. Mais il n'y a pas de bonne manière. Il n'y a pas de changement de vie. Il n'y a pas de changement dans le comportement. La grâce de Dieu n'était pas déversée dans leur vie pour avoir les bonnes manières, le caractère chrétien, les comportements. Et parce qu'il n'y a pas de bonne manière, la manne qu'ils mangeaient ne les a pas fait avancer, progresser, pour les aider à aller, à monter plus haut. Si tu regardes là, les enfants d'Israël, des multitudes qu'ils étaient, ils ne sont pas montés plus haut sur la terre promise. Ils avaient le triomphe, mais ils n'avaient pas une langue domptée. Ils ont triomphé sur les ennemis dans le désert. Ils ont triomphé sur Pharaon et ses chars dans la mer Rouge. Vous voyez, quand les gens ont le triomphe sur les défis locaux, sur les problèmes locaux là-bas, mais ils n'ont pas une langue domptée, leur langue va les toujours faire tomber à tout moment. Les enfants d'Israël avaient la guérison, mais ils n'avaient pas la sainteté. Il les a fait sortir. Et aucun parmi eux n'était faible. Et il a fait l'alliance de guérison avec eux. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Mais vous savez, ils n'avaient pas la sainteté jointe à cette guérison. Voilà pourquoi ces gens-là qui avaient la guérison dans le désert, la guérison, comme ils sortaient d'Égypte, plusieurs d'entre eux ne sont pas allés à la terre plus haute, à la terre de Canaan, à la terre promise, parce qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient rien de plus que cette guérison. Nous devons associer la sainteté à la guérison. Ces enfants d'Israël, ils étaient déjà excités, joyeux, des gens heureux. Le bonheur seul ne peut pas nous amener à la terre haute. Ils avaient les chants de louange, mais ils n'avaient pas l'état de pureté.
Et c'est pourquoi plusieurs aujourd'hui, ils ont une vie heureuse, une vie excitée. Ils sont dans telle réunion, ils sont à telle croisade, ils sont dans telle autre croisade, heureux, excités, joyeux. Mais nous devons ajouter l'état de pureté. Les enfants d'Israël, rappelez-vous leur histoire, ils étaient assoiffés et il n'y avait pas d'eau à boire. Ils avaient l'homme de Dieu avec eux. Frappe le rocher et l'eau est sortie pour eux. Mais vous savez, ils avaient l'eau du rocher, mais ils n'avaient pas la volonté pour la justice. Et l'eau de miracle qu'ils ont bu n'était pas suffisante pour les faire monter plus haut. Ils étaient toujours en train de faire les contours, de tourner en rond dans leur vie. Dans nos vies, nous devons regarder à l'eau de vie chaque jour. Regarder la bonne volonté pour la justice qu'il veut que nous ayons également. Ces gens-là avaient la demande pour le lait et le miel. Il dit où est le lait et le miel? Le lait et le miel est disponible, mais ils n'avaient pas le désir pour le mouvement vers le ciel. Quel succès avons-nous sur la terre? Quel privilège pouvons-nous avoir sur la terre? Si nous avons les provisions terrestres et nous n'avons pas la volonté, le désir et la dignité même d'aller au ciel. Ainsi donc, c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Afin que les barricades autour de notre vie, qui étaient là tout le temps, nous pouvions dire, Seigneur, j'ai maintenant le désir. J'ai une décision. J'ai une détermination. Pour que cette terre haute, je veux aller à la terre plus haute. Non seulement dans les études, non seulement dans ma profession, mais dans la vie spirituelle. Pour que je me rassure que je suis sauvé, né de nouveau, et la nouvelle vie en Christ nous est parvenue. Et nous l'avons reçue, nous avons embrassé. Et l'Esprit de Dieu, dans notre cœur, rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est le commencement. C'est le départ de prendre le désir, la décision et la rendre applicable dans notre vie. Afin que tout ce que nous avons eu, la décision à suivre Christ. Il y a la dévotion à la voix de l'Éternel. Et il y a les manières, le caractère, les comportements d'un vrai croyant qui suit cela. Et la grâce de Dieu transforme notre langue. Plusieurs parlent quand il faut se taire. Plusieurs parlent. Et ils ne regardent même pas la valeur des choses qui sortent de leur bouche. Et quand la grâce de Dieu vient dans nos vies, et nos langues sont transformées, nos vies sont transformées, et nous prions avec ces langues purifiées et domptées, et le Seigneur met la justice et la sainteté dans nos vies. Il nous donne les bénédictions d'en haut. Les bénédictions pour notre cerveau. Et il nous donne les bénédictions pour notre cœur, notre vie. Et nous allons mener une vie de justice et de sainteté par sa grâce.
alors nous sommes vraiment en train de monter plus haut. Aie-moi la bonne volonté de mener une vie de justice en nous, au collège, à l'école, à l'université, dans le monde, dans la profession, partout où nous allons, nous savons que je suis là pour démontrer, je suis là pour montrer, je suis là pour que les gens voient la vie de justice et de sainteté. Et qui, ce qui est possible, et nous sommes dans la main de Dieu, nous pourrons alors monter, monter plus haut. En Proverbe 15. Proverbe 15, verset 19. Proverbe chapitre 15. Lisons le verset 19. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. Ceux qui sont paresseux, ceux qui sont oisifs et ceux qui n'ont aucun plan, aucun objectif et aucune persévérance pour avancer, monter plus haut. Ces gens-là, il y a une haie autour d'eux et c'est comme des épines, un mur de haie. Ils n'arrivent pas à monter plus haut. Ils n'arrivent pas à aller plus haut. Mais lorsque tu en parles au Seigneur, que tu veux une terre plus haute, que tu veux ce que Dieu a établi, planifié pour toi, que tu veux que le plan de Dieu et le plan de Dieu pour ta vie, tu iras plus haut. J'ai dit tu iras plus haut. J'ai dit tu iras plus haut. Ça, c'est la voie du Seigneur. C'est ce que le Seigneur a établi. Une décision pour le Seigneur. Et tu pourras dire, j'ai décidé de suivre Christ. Pas de retour, pas de retour. J'ai décidé d'aller plus haut. Pas de retour, pas de retour. J'ai décidé qu'avec toute la diligence et la dévotion, je vais suivre le Seigneur. Point de retour, point de retour. C'est en ce moment que les possibilités de monter plus haut se produiront dans ta vie. Premièrement, l'insatisfaction à l'égard de la voie barricadée des limitations. Deuxième point maintenant, la dédicace sur l'autoroute de la libération dans la vie. La libération. Et Dieu se saisit de toi et te sort de cette vie de déception. Et il te sort de cette vie insatisfaite. Et il te sort de cette vie de dépitude. Et Dieu te relève. Il t'affranchit par le salut. Il t'affranchit par une nouvelle vie en Christ. C'est en ce moment que la marche en avant pour ce lieu élevé, c'est en ce moment-là que ça commence. Et le Seigneur nous a fait la promesse. Il veut nous conduire plus haut. Venez à moi, dit-il. Venez à moi, vous toutes qui êtes fatiguées et chargées. Tu travailles et en tournant en rond et tu n'as rien réalisé. Tu travailles, tu es en sueur
et tu n'as rien réalisé. Tu n'as même pas allé loin dans ton voyage. Alors il faut décider pour le Seigneur. Il dit, viens. Je suis le seul qui peut t'amener plus haut. Il dit, viens. Je suis le seul qui peut te libérer. Viens. Je suis le seul qui peut t'affranchir. Alors tu prends ta décision. Tu décides. Tu te lèves. Et tu marches dans une seule direction. La direction du Seigneur, ton libérateur. Tu dis, Seigneur, me voici, je viens. Il dit, que veux-tu? Chaque fois que quelqu'un vient au Seigneur, le Seigneur lui pose toujours, la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Et il dit, oh, je veux la libération. Je veux marcher sur l'autoroute qui conduit à la libération dans la vie. Et il a la puissance. Il le fait pour toi. Et aujourd'hui, comme tu viens, tu n'essaies pas de monter sans son secours, sans sa grâce, sans sa capacité. Comment est-ce que tu peux te libérer toi-même de toutes les choses qui te ligotent? Comme tu viens, tu dois lui faire confiance qu'il est celui qui peut te donner cette libération. Il est le seul qui peut t'affranchir de toutes les choses qui limitent ta vie, de toutes les choses qui te maintiennent liées, de toutes les choses qui ne te permettent pas d'avoir le progrès dans ta vie. Il libère. Viens. Viens à lui. Viens à Christ. Celui qui t'accorde la libération. C'est lui qui peut te sortir de la situation de pauvreté où tu es et te mener sur le trône pour régner avec le Seigneur. Parce que vous voyez, ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes, il y a ce qu'on peut réaliser pour nous, nous ne peuvent pas nous amener à la terre plus haute, où la joie et l'amour et la foi abondent. Il nous a promis que tous ceux qui réalisent qui sont dans la fosse de la limitation et qui prennent la décision et décident qu'ils veulent venir au Seigneur. Il dit, quiconque vient à moi, je ne vais pas le rejeter. Tu viens. Et comme tu viens, tu comptes sur lui, tu lui fais confiance et il va t'élever aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, il va t'élever plus haut au nom de Jésus. Parce qu'il est le seul libérateur. Quel pas dois-je faire? Parce que je vous ai dit que si nous voulons quitter le rez-de-chaussée et aller au niveau le plus élevé, nous devons aller pas à pas, pas à pas. Et c'est l'addition, c'est l'accumulation de ces pas que nous faisons qui nous amène à cette terre plus haute. Tu veux répondre à l'invitation de Christ? Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés pour répondre à cet appel, premièrement, tu dois laisser tous tes péchés et ton égocentrisme derrière. Tu dois laisser tous tes péchés et ton égocentrisme derrière. Quand nous parlons du péché, certaines personnes
qu'il lise une portion de la Bible. Il dit, oh, j'ai laissé tous mes péchés. Et je leur pose la question. Et l'oisiveté. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Si tu amènes tes dons pour les utiliser de façon profitable pour la gloire de Dieu dans ta vie, celui qui sait faire le bien, tu sais comment étudier, tu ne le fais pas. Tu sais comment étudier, tu ne le fais pas. Tu as les livres, les cahiers, tu ne les ouvres même pas. Tu dois te préparer pour l'examen, mais tu ne le fais pas. Ça fait partie des péchés dont il faut nous repentir. Nous devons nous détourner de tout ce qui est dans nos vies. Les choses qui nous rabaissent, nous devons nous débarrasser de ces choses. Marcher de l'avant avec la détermination et avec dévotion. Alors nous arriverons au sommet au nom de Jésus. Et bien sûr, les autres péchés de ta vie. Les mauvais comportements de ta vie. Si tu veux aller plus haut et tu veux être en avant, ceux-là qui vivent dans le désordre n'arrivent pas là-bas. Tu dois avoir tout ce que Christ a prévu pour notre libération. Et tu dois t'appuyer sur le sauveur des pécheurs. Tu dois t'appuyer, tu peux t'appuyer sur lui. Tu peux compter sur lui. Tu peux lui faire confiance. Tu peux lui faire confiance. Et tu peux lui adresser ta prière, tes pétitions centrées sur lui. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, il te l'accordera. Et vous devez apprendre des écritures pour le succès. Quand tu apprends des écritures, les écritures te diront le chemin qui mène au succès n'est pas par les actes du vol. Ou bien par la tricherie. Ou bien en regardant sur les feuilles d'autrui, en copiant pour en faire pour toi. Je monte. Je veux monter. Je veux prendre l'envol. La tricherie quittera ta vie. Le vol doit quitter ta vie. Tu ne peux pas voler les recherches des autres et à mettre un peu d'ajout et en faire pour toi. C'est pas comme ça qu'il faut réussir. Si Dieu doit t'aider à gravir les échelons, tu dois vivre loyalement dans les mêmes traces que Christ, qui est un modèle de succès, qui est le chemin qui mène au succès, qui est l'exemple parfait pour le succès? Christ le Seigneur, Christ notre Sauveur, Christ celui qui trace les pas, celui qui est devant et que nous suivons. Alors regarde les traces de Christ. Qu'est-ce que Christ fera? Et il dit, suivez-moi. Comme tu suis son exemple, comme tu suis son modèle, comme tu suis sa manière de vivre, c'est comme ça qu'il faut réussir dans le royaume de Dieu. Si tu suis les voies du monde, la manière dont ils pensent qu'ils peuvent avoir le succès dans le monde, si tu les suis, tu n'arriveras pas à la destination finale du ciel. Tu peux avoir les choses terrestres, mais tu n'auras pas les richesses célestes et la valeur céleste. Et
et tu aimes. Et tu aimes légalement dans le soleil et son serment. Il nous a donné le serment sur la montagne. Il nous a donné le chemin qui nous aidera à monter. Il nous a montré le chemin pour découvrir. Voici ce que nous avons si nous suivons le Seigneur. Et c'est lorsque nous suivons de cette manière, quand nous donnons notre cœur, notre vie au Seigneur, pas à pas, jour après jour, par la grâce qu'il nous offre, par la bonté de sa vie, qui entre dans nos vies, qui inspire notre vie, et nous vivons selon la parole qu'il nous a révélée, c'est en ce moment-là qui nous conduit à cette terre plus haute. Et vous devez vous détacher des liens de Satan. S'il y a des gangs ou des sociétés vous ont amené dans leur groupe pour dire voici la bonne chose. Voici ce que les gens haut placés là-bas là et les gens qui aspirent à aller là-bas, voici le gang dans lequel ils se joignent. Tu dis non, pas de gang, aucune société secrète, mais je vais marcher dans les traces du Sauveur et je dois me libérer des liens de Satan. C'est en ce moment-là que sa main d'élévation se saisira de toi. Il va te lever. Plus haut, plus haut. J'ai dit plus haut. C'est lorsque Dieu se saisit de nous, il nous libère, il nous élève et nous avançons. C'est de cette manière que sa puissance de libération agit puissamment dans nos vies. Et nous irons plus haut. Et nous travaillons dans la force du Seigneur. Nous travaillons dans la force du Seigneur. C'est ce qui nous sort de là où nous sommes pour nous amener là où il a planifié que nous arrivons. Premièrement, l'insatisfaction à l'égard de la voie barricadée de la limité, de la limitation. Nous sommes insatisfaits de là où nous étions en train de tourner en rond. Deuxièmement, nous avons la décision, la dédicace que nous allons marcher sur son autoroute qui conduit à la libération dans la vie. Et troisièmement, la diligence sur l'autoroute céleste pour le Seigneur. La diligence, l'engagement, la consécration, la décision de cœur et d'esprit dévoué à suivre le Seigneur. La diligence. Dans plusieurs parties de la Bible, on nous demande de mettre de diligence dans ce que nous poursuivons. Ça veut dire que ton esprit ne sera pas passé par là à la fois. Un homme d'un seul objectif, un homme d'un seul but, un homme d'un seul désir, un homme d'une seule dédicace, un homme d'un seul sentier. Tu es dessus, tu marches. Et tu marches, tu progresses là-bas. Le Seigneur va t'aider. J'ai dit, le Seigneur va t'aider. En réalité, Salomon pose une question. Salomon était cet homme diligent. Depuis sa jeunesse, il avait la diligence
de suivre jusqu'à la fin sur la voie où Dieu l'a appelé. Mais il n'était pas le seul qui était diligent. Il n'était pas le seul qui poursuivait, jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait. Et si tu vois un homme diligent dans toute sa voie, il se tiendra devant les rois, il ne tiendra pas devant n'importe qui. Est-ce que tu vois un élève diligent dans sa voie? Est-ce que tu vois un garçon, une fille diligent dans son ouvrage? Est-ce que tu vois un chercheur diligent dans sa voie? Est-ce que tu vois quelqu'un qui a la consécration et qui a la concentration et sa pensée n'est pas distraite par ci, par là? Si tu vois un homme habile, diligent dans son ouvrage, il ne se tient pas devant n'importe qui. Il ne se tient pas devant des hommes obscurs. Il ne va pas s'associer à ceux qui ne réussissent jamais bien dans la vie. Il se tient auprès des rois. Dans le langage d'aujourd'hui, il marchera, travaillera dans la, il travaillera à la présidence. Tu n'as pas dit amen à cela? C'est lorsque nous avons cette diligence et nous manifestons la même diligence jusqu'à la fin. C'est cette décision de cœur, c'est cet objectif que nous avons et nous sommes diligents dans tout ce que nous faisons. Quelqu'un a dit, la manière dont tu fais une chose dans ta vie, c'est de cette manière que tu fais les autres choses que tu fais dans la vie. Tu apprends à être diligent en une chose. Dans un domaine de ta vie, tu seras ainsi diligent dans les autres domaines de ta vie également. Diligent dans la prière, dans la supplication. Diligent dans les études et dans ta profession. Tu es diligent dans tous les domaines de ta vie, de ton style de vie. C'est alors que tu auras la place d'en haut que tu dois occuper. Quel chemin suivre avec diligence? Quel chemin dois-tu suivre de tout ton cœur, de toute ta pensée? La voix du Seigneur. Voici la voix du Seigneur, la voix de Dieu. Il a tout montré dans la parole. Maintenant, nous suivons par la décision. Nous suivons avec dédicace. Nous suivons avec diligence la voix du Seigneur. S'il y a une voie, un chemin qui t'est montré, et quelqu'un dit, suis ce chemin, tu ne sautes pas pour suivre n'importe quelle voie, tu dois vérifier. Est-ce que ça, c'est la voie de Dieu? S'il y a le mal là-bas, ça, ce n'est pas la voie du Seigneur. S'il y a le péché là-bas, ce n'est pas la voie de Dieu. Si c'est là où se trouvent les soulards et les malfaiteurs sont là-bas, ce n'est pas la voie du Seigneur. Pour monter plus haut, pour aller en haut, pour atteindre la plus haute, premièrement, nous devons suivre la voie de Dieu. Nous devons suivre la voie du salut. Si je suis ce chemin-là, et j'ai de l'argent, est-ce que j'aurai le salut?
si je suis cette voix et j'ai la reconnaissance par les gens, est-ce que ça c'est la voie du salut? Si je suis ce chemin, cette voie, et j'ai le plaisir pendant une nuit, ou même pour le restant de ma vie, est-ce que ça c'est la voie du salut? La voie à suivre pour monter plus haut. La voie à suivre pour aller au sommet de la montagne. C'est la voie de Dieu. C'est la voie du salut. C'est la voie de la paix. Il dit, la voie de la paix, il ne le connaît pas. Ceux qui se bagarrent, qui disputent pour quelque chose de plus grand dans ce monde, ils ne connaissent pas la voie de la paix. Alors pose-toi la question, cette voie-là que je veux suivre, est-ce que c'est la voie de Dieu? Est-ce que c'est la voie du salut? Est-ce que c'est la voie de la paix? Est-ce que c'est la voie de la justice? Ce que je fais, la manière dont j'agis, le chemin que je suis, la manière dont je le suis, est-ce que ça c'est le chemin, la voie de la justice? Je dois me poser la question. Tu dois te poser cette question. Est-ce que ça c'est la voie de la vérité et de la véracité? Tu peux mentir pour avoir les choses dans ce monde. Tu peux tromper la plupart des gens à tout moment et avoir ceci et obtenir cela. Mais c'est juste du sable dans le monde. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper le Dieu Tout-Puissant. Celui dont les yeux voient toutes choses. Si tu veux monter plus haut, si tu veux aller en haut, si tu veux atteindre la terre promise, tu dois suivre de façon consistante chaque pas dans ta vie. Chaque pas dans ta vie, tu dois suivre la voie de la vérité et de la véracité. Ensuite, tu dois suivre la voie de cette trace. Christ nous a donné un exemple. Et il a souffert pour nous, pour que nous puissions suivre ses traces. Si Christ était dans ta situation aujourd'hui, quel chemin va-t-il suivre? Quel pas doit-il faire? Quel exemple va-t-il nous donner? Et quelle action va-t-il mener dans chaque domaine, dans chaque situation de ta vie? Tu dois te poser la question, que ferait Christ? Est-ce que Christ va se fâcher, bagarrer, pousser l'autre de là-bas pour dire c'est ma place, c'est ma place, c'est ma place? Christ ne ferait jamais ça. Et parce que Christ ne le ferait pas, qu'est-ce que Christ ferait alors? Qu'est-ce que Christ dira? Comment est-ce que Christ va agir? Si tu veux marcher sur le chemin jusqu'au sommet, tu dois suivre la voie de ses traces. Et bien sûr, je suis sûr que tu sais que la voie qui conduit au ciel, la plus grande des choses que tu pourras jamais désirer, c'est la voie de la sainteté. Et il est celui qui a la puissance de nous sauver, de nous accorder la justice, de nous accorder la sainteté. Et il dit, recherchez la paix avec tous les hommes, bons ou mauvais, tous les hommes, et la sanctification, la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Premièrement, il y a un désir dans tous les domaines de ta vie. Tu ne dois pas être un gâteau qui est cuit d'un côté et qui est cru de l'autre côté. Chaque partie de ta vie, le spirituel et le séculaire, chaque partie de ta vie, la vie professionnelle et la vie purifiée, chaque domaine de ta vie, personnel, dans la famille, dans l'assemblée, à l'université, au collège, chaque domaine de ta vie, tu veux avoir un désir pour ce niveau élevé de vie. Et dans le domaine de tes efforts privés spirituels, tu veux avoir la décision par laquelle tu commences et le désir de vivre tel que tu dois vivre. Chaque domaine de ta vie, tu es marié dans une famille. Chaque domaine de ta vie, dans ta profession au service, chaque domaine de ta vie, la manière dont tu vis, la manière dont tu tiens, les choses que tu fais, les choses que tu dis, tu veux te rassurer qu'à chaque pas, chaque acte, chaque action, c'est par la grâce de Dieu. Et cette grâce t'amène à vivre pour plaire au Seigneur à tout moment. Et le Seigneur est capable. J'ai dit, le Seigneur est capable. Le désir, la décision, la détermination, la dédicace, la diligence. Et Dieu te conduira là il a établi pour ta vie au nom de Jésus. Et tout le monde crie Amen. Levons-nous maintenant et nous allons parler à Dieu dans la prière. Ce n'est pas le type de prière normale, froide, habituelle que tu as l'habitude de faire. C'est une prière qui doit démontrer un désir enflammé, qui montre une décision ferme. Seigneur, je veux aller là-bas. La terre plus haute. La terre plus haute. La terre plus haute. La terre plus haute. Viens. Viens. C'est un mot, un verbe d'action. De ton cœur, de ton esprit. Qui vient de ta personnalité. De tout ce que tu as au-dedans de toi. Un désir pour cette terre haute. Pourquoi ne pas prier maintenant? Pourquoi ne pas parler au Seigneur maintenant? Où ta bouche est prise? Qu'il t'entende prier. Que tu as le désir. Tu as la décision. Et toutes choses. Tout ce qui peut te faire tomber au lieu de te faire monter. Tu dois rejeter cette chose. Tu dois dire non à cette chose. Tu dois dire, Seigneur, la terre plus haute est ma poursuite. Montre ton désir, ta décision au Seigneur. Ton désir, ta destination et ta décision au Seigneur. Parle au Seigneur.
Montre ton désir au Seigneur. Exprime tes décisions au Seigneur. Seigneur, la terre plus haute. Le moment de pareil, c'est terminé. Le moment d'oisiveté, c'est terminé. Le moment où je tourne en rond, c'est terminé. Perte de temps, c'est terminé. La perte de ta vie, c'est terminé. La perte de ma destinée, c'est terminé. Passer toute ta vie, ton énergie, ici par là, tournant en rond et n'allant nulle part, c'est terminé. Le moment d'avoir des amis en train de gaspiller ta vie, ton temps avec eux. Le moment de passer, de gaspiller des heures précieuses, c'est fini. Tout ça est terminé. Parle au Seigneur. Il va t'élever. Quand tu lèves ta main, parle la foi au Seigneur. Il t'élève très haut. Il t'élève de cette situation de déception. Il te sort de ce désespoir dans la vie. C'est lui qui apporte l'espoir. C'est lui qui apporte la vie. C'est lui qui apporte l'excitation dans la vie. Et il apporte le succès, la joie dans la vie. Parle au Seigneur. Il est juste là pour t'aider. Tu dis, Seigneur, me voici. Avec un désir enflammé, passionné. Pas une décision ferme. Et avec une dédicace, une dévotion fortifiée, en disant, Seigneur, me voici. Si personne d'autre ne veut monter avec moi, j'irai haut. Il le fera. Si tu abandonnes ton cœur, ta vie au Seigneur, quand tu lui donnes tout sa réserve, tu dis, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Élève-moi. Amène-moi plus haut. Donne-moi la diligence céleste pour que je ne sois pas en haut et en bas seulement. Mais toute mon âme, tout ce qui est en moi, avec concentration et dédicace, ayant les regards sur ma destination, aide-moi, Seigneur. Il va t'aider. Parle au Seigneur. Dis-lui tes désirs. Dis-lui ta poursuite. Dis-lui ce que tu veux. Il le fera. Crois-le. Fais-lui confiance. Place ta confiance en lui. Que ce que tu demandes, selon sa volonté, il te l'accorde. Il ne peut faillir. Il ne t'a pas menti. Ce qu'il a promis faire, c'est parce qu'il veut le faire. Le salut est la première chose que tu dois viser. Commence par là. Le salut, c'est la première chose qu'il veut que tu possèdes. Si tu l'as, les autres choses vont suivre dans ta vie. Le salut, parle au Seigneur. Tu dois abandonner tes péchés,
Tu dois abandonner l'égocentrisme. Tu dois abandonner le mal de l'humanité et invoquer le nom du Seigneur. Et dire, Seigneur, je sais que Jésus-Christ est mort pour moi, pour me donner le salut. Il le fera. Il le fera. Il sauve tous les pécheurs qui se repentent. Et il leur donne une nouvelle vie. Cette nouvelle vie est là. Par le Seigneur. Il te sauvera. Et quels que soient les autres défis que tu as, il a la solution à tous les problèmes et à tous les défis de ta vie. Si tu lui parles de ça, il t'accordera cette solution. Au nom de Jésus, nous prions. Lève ta main. Tu veux le salut. Tu veux la solution. Tu veux le secours d'en haut du ciel. Tu veux la main d'élévation de cette fosse de découragement et de dépitude. Tu veux monter. Tu veux l'élévation, la libération. Où es-tu? Que Dieu sache que tu désires quelque chose de bon là-bas. Peu importe ce que les gens ne désirent pas, c'est toi la personne. Comme nous prions maintenant, le Seigneur va exaucer nos prières. Nous sommes maintenant prêts à prier. Si tu es malade, mets la main là où tu as la maladie. S'il n'y a pas de vision, mets la main sur ton visage. S'il n'y a pas de force pour te lever, et m'aller de l'avant. Tu n'as aucune colonne vertébrale pour tenir courageusement. Mets la main sur cette colonne vertébrale. Et le Seigneur va te fortifier du physique au spirituel. L'heure de la solution est venue maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous te remercions parce que tu es un bon Dieu. C'est toi qui élèves nos têtes. C'est toi qui élèves nos vies. C'est toi qui élèves nos âmes, nos esprits et nos cœurs. C'est toi qui guéris nos corps. C'est toi qui donnes la solution à tous les problèmes. Nous venons maintenant comme tu nous as invités de venir. Nous voulons que les temps de déception passent maintenant. Que les moments de désespoir prennent fin. Que les moments où nous étions dans la fosse prennent fin maintenant. Seigneur, dans ta puissance. Seigneur, dans tes prodiges. Seigneur, dans ta capacité divine, mets fin à toutes les choses inutiles dans nos vies au nom de Jésus.
ceux qui luttent contre le péché, vivant dans le péché, mourant même dans le péché, Seigneur, transforme-les et que la puissance et le salut viennent dans la vie de chacun au nom de Jésus. Nouvelle vie, une vie juste, une vie de sainteté, une vie droite, une bonne vie, la justice qui suit le salut. Donne à chacun maintenant au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si une femme est en Christ, elle est une nouvelle créature. Cette nouveauté de vie accorde à chacun. Ceux qui désirent, quiconque a décidé pour Christ, au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que la confirmation de ce salut, l'évidence de ce salut, soit visible dans chaque vie qui est crue au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, pour tous ceux qui ont toute forme de maladie dans le corps, touche-les, transforme leur vie. Oh, toutes ces maladies, écris maintenant le nom inégalable de Christ. Toute vie qui est attachée dans l'échec. Seigneur, je prie que ta grande puissance du ciel ôte l'échec au nom de Jésus. Maintenant, la puissance d'élévation pour tout le monde. Quel que soit le niveau où vous êtes, je prie que tu libères et que tu élèves tout le monde au nom de Jésus. Que la puissance du Seigneur, avec l'élévation du Seigneur, avec le secours et l'aide de Dieu, je prie pour tous ceux qui ont écouté ta parole ce matin. Ils monteront plus haut. Ils iront plus haut. Ils iront plus haut. Dans leur cerveau, dans leur pensée, ils penseront aux choses élevées. Dans les capacités de leurs mains, ils feront de plus grandes choses. Et comme ils parcourent la vie, protège chacun. Préserve tout le monde. Donne l'énergie à tout le monde. Et qu'ils continuent à marcher sans être fatigués jusqu'à ce que nous atteignions cette terre plus haute. Et ne laisse personne derrière au nom de Jésus. Quand nous serons à cette terre haute, nous serons stables, solides, fermes sur la terre plus haute. Et ce sera une nouvelle plateforme pour la terre plus haute et plus haute. Et quand nous arriverons là-bas, tu vas nous aider à regarder les étoiles et nous verrons de plus grandes choses que nous avons obtenu au nom de Jésus. Fais-le pour tout le monde. Les plus jeunes, les plus âgés parmi nous, la terre plus haute pour tout le monde. Merci Seigneur pour l'exaucement.
Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde crie un amen dynamique. Regarde celui qui est à côté de toi. Tourne vers celui qui est à côté de toi et dis-lui, je vais à la terre plus haute. Que le ciel t'entende. Amen. Pour toi, au nom de Jésus.